Chapitre 6. Georges Duroy eut le réveil triste le lendemain. Il s'habilla lentement, puis s'assit devant sa fenêtre et se mit à réfléchir. Il se sentait dans tout le corps une espèce de courbature, comme s'il avait reçu la veille une volée de coups de bâton. Enfin, la nécessité de trouver de l'argent l'aiguillonna et il se rendit chez Forestier. Son ami le reçut, les pieds au feu, dans son cabinet. « Qu'est-ce qui t'a fait lever si tôt ?»« Une affaire très grave. J'ai une dette d'honneur. »« De jeu ?» Il hésita, puis avoua « De jeu. »« Grosse ?»« 500 francs. » Il n'en devait que 280. Forestier, sceptique, demanda « À qui dois-tu ça ?» Duroy ne put pas répondre tout de suite. « Mais à un monsieur de Carleville. » « Ah, et où demeure-t-il ? Rue... » Forestier se mit à rire. « Rue du Cherche-Midi à 14h, n'est-ce pas ? Je connais ce monsieur-là, mon cher. Si tu veux 20 francs, j'ai encore ça à ta disposition, mais pas davantage. » Duroy accepta la pièce d'or. Puis il alla de porte en porte chez toutes les personnes qu'il connaissait, et il finit par réunir vers 5h 80 francs. Comme il lui en fallait trouver encore 200, il prit son parti résolument et, gardant ce qu'il avait recueilli, il murmura « Zut, je ne vais pas me faire de bile pour cette garce-là, je la paierai quand je pourrai. » Pendant 15 jours, il vécut d'une vie économe, réglée et chaste, l'esprit plein de résolutions énergiques. Puis il fut pris d'un grand désir d'amour. Il lui semblait que plusieurs années s'étaient écoulées depuis qu'il n'avait tenu une femme dans ses bras, et comme le matelot qui s'affole en revoyant la terre, toutes les jupes rencontrées le faisaient frissonner. Alors il retourna un soir aux Folies Bergères avec l'espoir d'y trouver Rachel. Il l'aperçut en effet, dès l'entrée, car elle ne quittait guère cet établissement. Il alla vers elle, souriant, la main tendue. Mais elle le toisa de la tête aux pieds. « Qu'est-ce que vous me voulez ?» Il essaya de rire. « Allons, ne fais pas ta poire !» Elle lui tourna les talons en déclarant « Je ne fréquente pas les Dauvers !» Elle avait cherché la plus grossière injure. Il sentit le sang lui empourprer la face et il rentra seul. Forestier, malade, affaibli, toussant toujours, lui faisait au journal une existence pénible, semblait se creuser l'esprit pour lui trouver des corvées ennuyeuses. Un jour même, dans un moment d'irritation nerveuse, et après une longue quinte d'étouffement, comme Duroy ne lui apportait point un renseignement demandé, il grogna « Christy, tu es plus bête que je n'aurais cru !» L'autre faillit le gifler, mais il se contint et s'en alla en murmurant « Toi, je te rattraperai. » Une pensée rapide lui traversa l'esprit et il ajouta « Je vais te faire cocu, mon vieux. » Et il s'en alla en se frottant les mains, réjoui par ce projet. Il voulut, dès le jour suivant, en commencer l'exécution. Il fit à Madame Forestier une visite en éclaireur. Il la trouva qui lisait un livre, étendu tout au long sur un canapé. Il lui tendit la main, sans bouger, tournant seulement la tête, et elle dit « Bonjour, belle amie. » Il eut la sensation d'un soufflet reçu. « Pourquoi m'appelez-vous ainsi ?» Elle répondit en souriant « J'ai vu Madame de Marelle l'autre semaine, et j'ai su comment on vous avait baptisé chez elle. » Il se rassura devant l'air aimable de la jeune femme. « Comment aurait-il pu craindre d'ailleurs ?» Elle reprit « Vous la gâtez. Quant à moi, on me vient voir quand on y pense, les 36 du mois, ou peu s'en faut. » Il s'était assis près d'elle, et il la regardait avec une curiosité nouvelle, une curiosité d'amateur qui bibelote. Elle était charmante. Blonde d'un blond tendre et chaud, faite pour les caresses. Et il pensa, elle est mieux que l'autre, certainement. Il ne doutait point du succès. Il n'aurait qu'à allonger la main, lui semblait-il, et à la prendre, comme on cueille un fruit. Il dit résolument, je ne venais point vous voir parce que cela valait mieux. Elle demanda sans comprendre, comment ? Pourquoi ? Pourquoi ? Vous ne devinez pas ? Non, pas du tout. Parce que je suis amoureux de vous. « Oh, un peu, rien qu'un peu, et que je ne veux pas le devenir tout à fait. » Elle ne parut ni étonnée, ni choquée, ni flattée. Elle continuait à sourire du même sourire indifférent, et elle répondit avec tranquillité. « Oh, vous pouvez venir tout de même, on n'est jamais amoureux de moi longtemps. » Il fut surpris du ton plus encore que des paroles, et il demanda. « Pourquoi ?»« Parce que c'est inutile et que je le fais comprendre tout de suite. » « Si vous m'aviez raconté plus tôt votre crainte, je vous aurais rassuré et engagé au contraire à venir le plus souvent. » Il s'écria d'un ton pathétique. « Avec ça qu'on peut commander au sentiment !» Elle se tourna vers lui. «
Mon cher ami, pour moi, un homme amoureux est rayé du nombre des vivants. Il devient idiot. Pas seulement idiot, mais dangereux. Je cesse avec les gens qui m'aiment d'amour, ou qu'ils prétendent, toute relation intime, parce qu'ils m'ennuient d'abord, et puis parce qu'ils me sont suspects comme un chien enragé qui peut avoir une crise. Je les mets donc en quarantaine morale jusqu'à ce que leur maladie soit passée. Ne l'oubliez point. Je sais bien que chez vous, l'amour n'est autre chose qu'une espèce d'appétit, tandis que chez moi, ce serait au contraire une espèce de communion des âmes, qui n'entre pas dans la religion des hommes. Vous en comprenez la lettre, et moi, l'esprit. Mais regardez-moi bien en face. Elle ne souriait plus. Elle avait un visage calme et froid, et elle dit en appuyant sur chaque mot, « Je ne serai jamais, jamais votre maîtresse, entendez-vous ? Il est donc absolument inutile, il serait même mauvais pour vous de persister dans ce désir. Et maintenant que l'opération est faite, voulez-vous que nous soyons amis, bons amis, mais là, de vrais amis, sans arrière-pensée ?» Il avait compris que toute tentative resterait stérile devant cette sentence sans appel. Il en prit son parti tout de suite, franchement, et ravi de pouvoir se faire cet allié dans l'existence, il lui tendit les deux mains. « Je suis à vous, madame, comme il vous plaira. » Elle sentit la sincérité de la pensée dans la voix, et elle donna ses mains. Il les baisa l'une après l'autre, puis il dit simplement en relevant la tête, « Christi, si j'avais trouvé une femme comme vous, avec quel bonheur je l'aurais épousée ?» Elle fut touchée cette fois, caressée par cette phrase comme les femmes le sont par les compliments qui trouvent leur cœur. Et elle lui jeta un de ces regards rapides et reconnaissants qui nous font leurs esclaves. Puis, comme il ne trouvait pas de transition pour reprendre la conversation, elle prononça d'une voix douce, en posant un doigt sur son bras, « Et je vais commencer tout de suite mon métier d'ami. Vous êtes maladroit, mon cher. » Elle hésita et demanda, « Puis-je parler librement ?»« Oui. » »« Tout à fait ?»« Tout à fait. » »« Eh bien, allez donc voir Madame Walter, qui vous apprécie beaucoup, et plaisez-lui. Vous trouverez à placer par là vos compliments, bien qu'elle soit honnête, entendez-moi bien, tout à fait honnête. » Oh, pas d'espoir de maraudage non plus de ce côté. Vous y pourrez trouver mieux en vous faisant bien voir. Je sais que vous occupez encore dans le journal une place inférieure, mais ne craignez rien, ils reçoivent tous les rédacteurs avec la même bienveillance. Allez-y, croyez-moi. » Il dit en souriant, « Merci, vous êtes un ange gardien. » Puis ils parlèrent de choses et d'autres. Il resta longtemps, voulant prouver qu'il avait plaisir à se trouver près d'elle. Et en la quittant, il demanda encore, « C'est entendu, nous sommes des amis. »« C'est entendu. » Comme il avait senti l'effet de son compliment tout à l'heure, il appuya, ajoutant, « Et si vous devenez jamais veuve, je m'inscris. » Puis il se sauva bien vite pour ne point lui laisser le loisir de se fâcher. Une visite à Madame Walter gênait un peu du roi, car il n'avait point été autorisé à se présenter chez elle et il ne voulait pas commettre de maladresse. Le patron lui témoignait de la bienveillance, appréciait ses services, l'employait de préférence aux besognes difficiles. Pourquoi ne profiterait-il pas de cette faveur pour pénétrer dans la maison ? Un jour donc, s'étant levé de bonne heure, il se rendit au hall au moment des ventes et il se procura, moyennant une dizaine de francs, une vingtaine d'admirables poires. Les ayant ficelées avec soin dans une bourriche pour faire croire qu'elles venaient de loin, il les porta chez le concierge de la patronne avec sa carte où il avait écrit « Georges du Roi ». Prie humblement Madame Walter d'accepter ces quelques fruits qu'il a reçus ce matin de Normandie. Il trouva le lendemain dans sa boîte aux lettres, au journal, une enveloppe contenant en retour la carte de Madame Walter, qui remerciait bien vivement M. Georges Duroy et restait chez elle tous les samedis. Le samedi suivant, il se présenta. Madame Walter habitait boulevard Malesherbes, une maison double lui appartenant et dont une partie était louée, procédé économique de gens pratiques. Un seul concierge, gité entre les deux portes cochères, tirait le cordon pour le propriétaire et pour le locataire, et donnait à chacune des entrées un grand air d'hôtel riche et comme il faut, par sa belle tenue de Suisse d'église, ses gros mollets emmailloté en des bas blancs, et son vêtement de représentation à boutons d'or et à revers écarlates. Les salons de réception étaient au premier étage, précédés d'une antichambre tendue de tapisserie et enfermée par des portières. Deux valets sommeillaient sur des sièges. Un d'eux prit le par-dessus de Duroy et l'autre s'empara de sa canne, ouvrit une porte, devança de quelques pas le visiteur, puis s'effaçant, le laissa passer en criant son nom dans un appartement vide. Le jeune homme, embarrassé, regardait de tous les côtés, quand il aperçut dans une glace des gens assis et qui semblaient fort loin. Il se trompa d'abord de direction, le miroir ayant égaré son œil,
Puis il traversa encore deux salons vides pour arriver dans une sorte de petit boudoir tendu de soie bleue à boutons d'or où quatre dames causaient à mi-voix autour d'une table ronde qui portait des tasses de thé. Malgré l'assurance qu'il avait gagnée dans son existence parisienne et surtout dans son métier de reporter qui le mettait incessamment en contact avec des personnages marquants, Duroy se sentait un peu intimidé par la mise en scène de l'entrée et par la traversée des salons déserts. Il balbutia « Madame, je me suis permis » en cherchant de l'œil la maîtresse de la maison. Elle lui tendit la main, qu'il prit en s'inclinant, et lui ayant dit « Vous êtes fort aimable, monsieur, de venir me voir. » Elle lui montra un siège où, voulant s'asseoir, il se laissa tomber, l'ayant cru beaucoup plus haut. On s'était tu. Une des femmes se remit à parler. Il s'agissait du froid qui devenait violent, pas assez cependant pour arrêter l'épidémie de fièvre typhoïde, ni pour permettre de patiner. Et chacune donna son avis sur cette entrée en scène de la gelée à Paris. Puis elles exprimèrent leurs préférences dans les saisons, avec toutes les raisons banales qui traînent dans les esprits comme la poussière dans les appartements. Un bruit léger de porte fit retourner la tête de Duroy, et il aperçut, à travers deux glaces sans teint, une grosse dame qui s'en venait. Dès qu'elle apparut dans le boudoir, une des visiteuses se leva, serra les mains, puis partit. Et le jeune homme suivit du regard, par les autres salons, son dos noir où brillaient des perles de jais. Quand l'agitation de ce changement de personne se fut calmée, on parla spontanément, sans transition, de la question du Maroc et de la guerre en Orient, et ensuite des embarras de l'Angleterre à l'extrémité de l'Afrique. Ces dames discutaient ces choses de mémoire, comme si elles eussent récité une comédie mondaine et convenable, répétée bien souvent. Une nouvelle entrée eut lieu, celle d'une petite blonde frisée qui détermina la sortie d'une grande personne sèche entre deux âges. Et on parla des chances qu'avait M. Linet pour entrer à l'académie. La nouvelle venue pensait fermement qu'il serait battu par M. Cabanon Lebas, l'auteur de la belle adaptation en vers français de Don Quichotte pour le théâtre. « Vous savez que ce sera joué à l'Odéon l'hiver prochain ?»« Ah, vraiment ? Oh, j'irai certainement voir cette tentative très littéraire !» Madame Walter répondait gracieusement, avec calme et indifférence, sans hésiter jamais sur ce qu'elle devait dire, son opinion étant toujours prête d'avance. Mais elle s'aperçut que la nuit venait et elle sonna pour les lampes, tout en écoutant la causerie qui coulait comme un ruisseau de guimauve et en pensant qu'elle avait oublié de passer chez le graveur pour les cartes d'invitation du prochain dîner. Elle était un peu trop grasse, belle encore, à l'âge dangereux où la débâcle est proche. Elle se maintenait à force de soins, de précautions, d'hygiène et de pâtes pour la peau. Elle semblait sage en tout, modérée et raisonnable, une de ces femmes dont l'esprit est aligné comme un jardin français. On y circule sans surprise, tout en y trouvant un certain charme. Elle avait de la raison, une raison fine, discrète et sûre, qui lui tenait lieu de fantaisie, de la bonté, du dévouement, et une bienveillance tranquille, large pour tout le monde et pour tout. Elle remarqua que Duroy n'avait rien dit, qu'on ne lui avait point parlé, et qu'il semblait un peu contraint. Et comme ces dames n'étaient point sorties de l'académie, ce sujet préféré les retenant toujours longtemps, elle demanda « Et vous qui devez être renseigné mieux que personne, monsieur Duroy, pour qui sont vos préférences ?» Il répondit sans hésiter « Dans cette question, madame, je n'envisagerai jamais le mérite, toujours contestable des candidats, mais leur âge et leur santé. Je ne demanderai point leur titre, mais leur mal. » Je ne rechercherai point s'ils ont fait une traduction rimée de Lope et des Vega, mais j'aurai soin de m'informer de l'état de leur foie, de leur cœur, de leurs reins et de leur moelle épinière. Pour moi, une bonne hypertrophie, une bonne albuminurie et surtout un bon commencement d'ataxie locomotrice vaudrait 100 fois mieux que 40 volumes de digressions sur l'idée de patrie dans la poésie barbaresque. » Un silence étonné suivit cette opinion. Madame Walter, souriant, reprit « Pourquoi donc ?» Il répondit « Parce que je ne cherche jamais que le plaisir qu'une chose peut causer aux femmes. Or, madame, l'académie n'a vraiment d'intérêt pour vous que lorsqu'un académicien meurt. Plus il en meurt, plus vous devez être heureuse. Mais pour qu'il meure vite, il faut les nommer vieux et malades. » Comme on demeurait un peu surpris, il ajouta « Je suis comme vous d'ailleurs, et j'aime beaucoup lire dans les Échos de Paris le décès d'un académicien. Je me demande tout de suite « Qui va le remplacer ?» Et je fais ma liste. C'est un jeu, un petit jeu très gentil auquel on joue dans tous les salons parisiens à chaque trépas d'immortel. Le jeu de la mort et des 40 vieillards. » Ces dames, un peu déconcertées encore, commençaient cependant à sourire, tant était juste sa remarque. Il conclut en se levant. « C'est vous qui les nommez, mesdames, et vous ne les nommez que pour les voir mourir. Choisissez-les donc vieux, très vieux, le plus vieux possible, et ne vous occupez jamais du reste. » Puis il s'en alla avec beaucoup de grâce. Dès qu'il fut parti, une des femmes déclara « Qu'il est drôle ce garçon ! Qui est-ce ? »
Madame Walter répondit, « Un de nos rédacteurs, qui ne fait encore que la menue besogne du journal, mais je ne doute pas qu'il arrive vite. » Duroy descendait le boulevard Malesherbes gaiement, à grands pas dansant, content de sa sortie et murmurant, « Bon départ !» Il se réconcilia avec Rachel ce soir-là. La semaine suivante lui apporta deux événements. Il fut nommé chef des échos et invité à dîner chez Madame Walter. Il vit tout de suite un lien entre les deux nouvelles. La Vie française était avant tout un journal d'argent. Le patron était un homme d'argent à qui la presse et la députation avaient servi de levier. Se faisant de la bonhomie une arme, il avait toujours manœuvré sous un masque souriant de brave homme, mais il n'employait à ses besognes, quelles qu'elles fussent, que des gens qu'il avait tâtés, éprouvés, flairés, qu'il sentait retors, audacieux et souples. Duroy, nommé chef des échos, lui semblait un garçon précieux. Cette fonction avait été remplie jusque-là par le secrétaire de la rédaction, M. Boisrenard, un vieux journaliste correct, ponctuel et méticuleux comme un employé. Depuis 30 ans, il avait été secrétaire de la rédaction de 11 journaux différents, sans modifier en rien sa manière de faire ou de voir. Il passait d'une rédaction dans une autre comme on change de restaurant, s'apercevant à peine que la cuisine n'avait pas tout à fait le même goût. Les opinions politiques et religieuses lui demeuraient étrangères. Il était dévoué au journal, quel qu'il fût, entendu dans la besogne et précieux par son expérience. Il travaillait comme un aveugle qui ne voit rien, comme un sourd qui n'entend rien, comme un muet qui ne parle jamais de rien. Il avait cependant une grande loyauté professionnelle et ne se fut point prêté à une chose qu'il n'aurait pas jugée honnête, loyale et correcte au point de vue spécial de son métier. Monsieur Walter, qu'il appréciait cependant, avait souvent désiré à un autre homme pour lui confier les échos qui sont, disait-il, la moelle du journal. C'est par eux qu'on lance les nouvelles et qu'on fait courir les bruits, qu'on agit sur le public et sur la rente. Entre deux soirées mondaines, il faut savoir glisser sans avoir l'air de rien la chose importante, plutôt insinuée que dite. Il faut, par des sous-entendus, laisser deviner ce qu'on veut, démentir de telle sorte que la rumeur s'affirme, ou affirmer de telle manière que personne ne croit aux faits annoncés. Il faut que, dans les échos, chacun trouve chaque jour une ligne au moins qui l'intéresse, afin que tout le monde les lise. Il faut penser à tout et à tous, à tous les mondes, à toutes les professions, à Paris et à la province, à l'armée et aux peintres, au clergé et à l'université, aux magistrats et aux courtisanes. L'homme qui les dirige et qui commande au bataillon des reporters doit être toujours en éveil et toujours en garde, méfiant, prévoyant, rusé, alerte et souple, armé de toutes les astuces et doué d'un flair infaillible pour découvrir la nouvelle fausse du premier coup d'œil, pour juger ce qui est bon à dire et bon à sceller, pour deviner ce qui portera sur le public, et il doit savoir le présenter de telle façon que l'effet en soit multiplié. Monsieur Boisrenard, qui avait pour lui une longue pratique, manquait de maîtrise et de chic. Il manquait surtout de la rouerie native qu'il fallait pour pressentir chaque jour les idées secrètes du patron. Duroy devait faire l'affaire en perfection, et il complétait admirablement la rédaction de cette feuille, qui naviguait sur les fonds de l'État et sur les bas-fonds de la politique, selon l'expression de Norbert de Varenne. Les inspirateurs et véritables rédacteurs de La Vie française étaient une demi-douzaine de députés intéressés dans toutes les spéculations que lançait ou que soutenait le directeur. On les nommait à la chambre la bande à Walter, et on les enviait parce qu'ils devaient gagner de l'argent avec lui et par lui. Forestier, rédacteur politique, n'était que l'homme de paille de ces hommes d'affaires, l'exécuteur des intentions suggérées par eux. Il lui soufflait ses articles de fond, qu'il allait toujours écrire chez lui pour être tranquille, disait-il. Mais afin de donner au journal une allure littéraire et parisienne, on y avait attaché deux écrivains célèbres en des genres différents, Jacques Rival, chroniqueur d'actualité, et Norbert de Varenne, poète et chroniqueur fantaisiste, ou plutôt conteur, suivant la nouvelle école. Puis on s'était procuré à bas prix des critiques d'art, de peinture, de musique, de théâtre, un rédacteur criminaliste et un rédacteur hippique, parmi la grande tribu mercenaire des écrivains à tout faire. Deux femmes du monde, Domino Rose et Patte Blanche, envoyaient des variétés mondaines, traitaient les questions de mode, de vie élégante, d'étiquette, de savoir-vivre, et commettaient des indiscrétions sur les grandes dames. Et La Vie française naviguait sur les fonds et bas-fonds, manœuvrés par toutes ses mains différentes. Duroy était dans toute la joie de sa nomination aux fonctions de chef des échos quand il reçut un petit carton gravé où il lut « Monsieur et Madame Walter prient Monsieur Georges Duroy de leur faire le plaisir de venir dîner chez eux le jeudi 20 janvier ». Cette nouvelle faveur tombant sur l'autre l'emplit d'une telle joie qu'il baisa l'invitation comme il eût fait d'une lettre d'amour. Puis il alla trouver le caissier pour traiter la grosse question des fonds.
Un chef des échos a généralement son budget sur lequel il paye ses reporters et les nouvelles, bonnes ou médiocres, apportées par l'un ou l'autre, comme les jardiniers apportent leurs fruits chez un marchand de primeurs. 1200 francs par mois, au début, étaient alloués à Duroy, qui se proposait bien d'en garder une forte partie. Le caissier, sur ses représentations pressantes, avait fini par lui avancer 400 francs. Il eut, au premier moment, l'intention formelle de renvoyer à Madame de Marelle les 280 francs qu'il lui devait. Mais il réfléchit presque aussitôt qu'il ne lui resterait plus entre les mains que 120 francs. Somme tout à fait insuffisante pour faire marcher d'une façon convenable son nouveau service. Et il remit cette restitution à des temps plus éloignés. Pendant 2 jours, il s'occupa de son installation, car il héritait d'une table particulière et de casier à lettres dans la vaste pièce commune à toute la rédaction. Il occupait un bout de cette pièce, tandis que Boisrenard, dont les cheveux d'un noir d'ébène, malgré son âge, étaient toujours penchés sur une feuille de papier, tenait l'autre bout. La longue table du centre appartenait au rédacteur volant. Généralement, elle servait de banc pour s'asseoir, soit les jambes pendantes le long des bords, soit à la turque, sur le milieu. Ils étaient quelquefois 5 ou 6 accroupis sur cette table et jouant au bilboquet avec persévérance dans une pose de magot chinois. Duroy avait fini par prendre goût à ce divertissement, et il commençait à devenir fort, sous la direction et grâce au conseil de Saint-Potin. Forestier, de plus en plus souffrant, lui avait confié son beau bilboquet en bois des îles, le dernier acheté, qu'il trouvait un peu lourd, et Duroy manœuvrait d'un bras vigoureux la grosse boule noire au bout de sa corde en comptant tout bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il arriva justement pour la première fois à faire 20 points de suite, le jour même où il devait dîner chez Madame Walter. « Bonne journée, pensa-t-il, j'ai tous les succès. » Car l'adresse au bilboquet conférait vraiment une sorte de supériorité dans les bureaux de la vie française. Il quitta la rédaction de bonne heure pour avoir le temps de s'habiller, et il remontait la rue de Londres quand il vit trotter devant lui une petite femme qui avait la tournure de Madame de Marelle. Il sentit une chaleur lui monter au visage, et son cœur se mit à battre. Il traversa la rue pour la regarder de profil. Elle s'arrêta pour traverser aussi. Il s'était trompé. Il respira. Il s'était souvent demandé comment il devrait se comporter en la rencontrant face à face. La saluerait-il, ou bien aurait-il l'air de ne la point voir ? « Je ne la verrai pas, » pensa-t-il. Il faisait froid. Les ruisseaux gelés gardaient des empattements de glace. Les trottoirs étaient secs et gris sous la lueur du gaz. Quand le jeune homme entra chez lui, il songea « Il faut que je change de logement. Cela ne me suffit plus maintenant. » Il se sentait nerveux et gai, capable de courir sur les toits, et il répétait tout haut en allant de son lit à la fenêtre « C'est la fortune qui arrive! C'est la fortune! Il faudra que j'écrive à papa !» De temps en temps, il écrivait à son père, et la lettre apportait toujours une joie vive dans le petit cabaret normand au bord de la route, au cœur de la grande côte d'où l'on domine Rouen et la large vallée de la Seine. De temps en temps aussi, il recevait une enveloppe bleue dont l'adresse était tracée d'une grosse écriture tremblée, et il lisait infailliblement les mêmes lignes au début de la lettre paternelle. « Mon cher fils, la présente est pour te dire que nous allons bien, ta mère et moi. Pas grand-chose de nouveau dans le pays, je t'apprendrai cependant 3 petits points. » Et il gardait au cœur un intérêt pour les choses du village, pour les nouvelles des voisins, et pour l'état des terres et des récoltes. Il se répétait, en nouant sa cravate blanche devant sa petite glace, « Il faut que j'écrive à papa dès demain. S'il me voyait ce soir dans la maison où je vais, serait-il épaté le vieux ?» « Sacristie, je ferai tout à l'heure un dîner comme il n'en a jamais fait. » Et il revit brusquement la cuisine noire de là-bas, derrière la salle de café vide, les casseroles jetant des lueurs jaunes le long des murs, le chat dans la cheminée, le nez au feu, avec sa pose de chimère accroupie, la table de bois graissée par le temps et par les liquides répandus, une soupière fumant au milieu et une chandelle allumée entre 2 assiettes. Et il les aperçut aussi, l'homme et la femme, le père et la mère, les 2 paysans au geste lent, mangeant la soupe à petites gorgées. Il connaissait les moindres plis de leur vieille figure, les moindres mouvements de leurs bras et de leur tête. Il savait même ce qu'ils se disaient chaque soir en soupant face à face. Il pensa encore « Il faudra pourtant que je finisse par aller les voir. » Mais comme sa toilette était terminée, il souffla sa lumière et descendit. Le long du boulevard extérieur, des filles accostèrent. Il leur répondait en dégageant son bras « Fichez-moi donc la paix !» avec un dédain violent, comme si elle l'eût insulté, méconnu. Pour qui le prenait-elle ? Ces rouleuses-là ne savaient donc point distinguer les hommes ? La sensation de son habit noir endossé pour aller dîner chez des gens très riches, très connus, très importants, lui donnait le sentiment d'une personnalité nouvelle,
la conscience d'être devenu un autre homme, un homme du monde, du vrai monde. Il entra avec assurance dans l'antichambre éclairée par les hautes torchères de bronze, et il remit d'un geste naturel sa canne et son pardessus aux deux valets qui s'étaient approchés de lui. Tous les salons étaient illuminés. Madame Walter recevait dans le second, le plus grand. Elle l'accueillit avec un sourire charmant, et il serra la main de deux hommes arrivés avant lui, M. Firmin et M. Laroche-Mathieu, député, rédacteur anonyme de La Vie française. M. Laroche-Mathieu avait dans le journal une autorité spéciale provenant d'une grande influence sur la Chambre. Personne ne doutait qu'il ne fût ministre un jour. Puis arrivèrent les forestiers, la femme en rose et ravissante. Duroy fut stupéfait de la voir intime avec les deux représentants du pays. Elle causa tout bas, au coin de la cheminée, pendant plus de 5 minutes avec M. Laroche-Mathieu. Charles paraissait exténué. Il avait beaucoup maigri depuis un mois, et il toussait sans cesse en répétant « Je devrais me décider à aller finir l'hiver dans le midi ». Norbert de Varenne et Jacques Rival apparurent ensemble. Puis, une porte s'étant ouverte au fond de l'appartement, M. Walter entra avec deux grandes jeunes filles de 16 à 18 ans, une laide et l'autre jolie. Duroy savait pourtant que le patron était père de famille, mais il fut saisi d'étonnement. Il n'avait jamais songé aux filles de son directeur que comme on songe aux pays lointains qu'on ne verra jamais. Et puis il se les était figurées toutes petites et il voyait des femmes. Il en ressentait le léger trouble moral que produit un changement à vue. Elles lui tendirent la main, l'une après l'autre, après la présentation, et elles allèrent s'asseoir à une petite table qui leur était sans doute réservée, où elles se mirent à remuer un tas de bobines de soie dans une bannette. On attendait encore quelqu'un et on demeurait silencieux, dans cette sorte de gêne qui précède les dîners entre gens qui ne se trouvent pas dans la même atmosphère d'esprit, après les occupations différentes de leur journée. Duroy ayant levé par désœuvrement les yeux vers le mur, M. Walter lui dit, de loin, avec un désir visible de faire valoir son bien, « Vous regardez mes tableaux ?» Le mai sonna. « Je vais vous les montrer. » Et il prit une lampe pour qu'on pût distinguer tous les détails. « Ici les paysages, » dit-il. Au centre du panneau, on voyait une grande toile de Guillemets, une plage de Normandie sous un ciel d'orage. Au-dessous, un bois de Harpigny, puis une plaine d'Algérie, par Guillaumet, avec un chameau à l'horizon, un grand chameau sur ses hautes jambes, pareil à un étrange monument. M. Walter passa au mur voisin et annonça, avec un ton sérieux, comme un maître de cérémonie, « La grande peinture !» C'était 4 toiles, une visite d'hôpital par Gervex, une moissonneuse par Bastien Lepage, une veuve par Bourguereau et une exécution par Jean-Paul Laurence. Cette dernière œuvre représentait un prêtre vendéen fusillé contre le mur de son église par un détachement de bleus. Un sourire passa sur la figure grave du patron en indiquant le panneau suivant. « Ici, les fantaisistes !» On apercevait d'abord une petite toile de Jean Béraud, intitulée « Le haut et le bas ». C'était une jolie parisienne montant l'escalier d'un tramway en marche. Sa tête apparaissait au niveau de l'impérial, et les messieurs assis sur les bancs découvraient avec une satisfaction avide le jeune visage qui venait vers eux, tandis que les hommes debout sur la plateforme du bas considéraient les jambes de la jeune femme avec une expression différente de dépit et de convoitise. M. Walter tenait la lampe à bout de bras et répétait en riant d'un rire polisson « Hein ? Est-ce drôle ? Est-ce drôle ?» Puis il éclaira un sauvetage par Lambert. Au milieu d'une table desservie, un jeune chat assis sur son derrière examinait avec étonnement et perplexité une mouche se noyant dans un verre d'eau. Il avait une patte levée, prêt à cueillir l'insecte d'un coup rapide. Mais il n'était point décidé. Il hésitait. Que ferait-il ? Puis le patron montra un détail, la leçon, qui représentait un soldat dans une caserne apprenant à un caniche à jouer du tambour, et il déclara « En voilà de l'esprit !» Duroy riait d'un rire approbateur et s'extasiait. « Comme c'est charmant ! Comme c'est charmant ! Charmant !» Il s'arrête à net, en entendant derrière lui la voix de Madame de Marelle qui venait d'entrer. Le patron continuait à éclairer les toiles en les expliquant. Il montrait maintenant une aquarelle de Maurice Leloir, l'obstacle. C'était une chaise à porteur arrêtée, la rue se trouvant barrée par une bataille entre deux hommes du peuple, deux gaillards luttant comme des Hercules. Et on voyait sortir par la fenêtre de la chaise un ravissant visage de femme qui regardait sans impatience, sans peur, et avec une certaine admiration le combat de ces deux brutes. M. Walter disait toujours « J'en ai d'autres dans les pièces suivantes, mais ils sont de gens moins connus, moins classés. Ici, c'est mon salon carré. J'achète des jeunes en ce moment, des tout jeunes, et je les mets en réserve dans les appartements intimes, en attendant le moment où les auteurs seront célèbres. » Puis il prononça tout bas « C'est l'instant d'acheter des tableaux. Les peintres crèvent de faim. Ils n'ont pas le sou. Pas le sou !» Mais Duroy ne voyait rien, entendait sans comprendre. Madame de Marelle était là, derrière lui. Que devait-il faire ?
S'il la saluait, n'allait-elle point lui tourner le dos ou lui jeter quelque insolence? S'il ne s'approchait pas d'elle, que penserait-on? Il se dit « Je vais toujours gagner du temps ». Il était tellement ému qu'il eut l'idée un moment de simuler une indisposition subite qui lui permettrait de s'en aller. La visite des murs était finie. Le patron alla reposer sa lampe et saluer la dernière venue, tandis que Duroy recommençait tout seul l'examen des toiles comme s'il ne se fût pas lassé de les admirer. Il avait l'esprit bouleversé. Que devait-il faire? Il entendait les voix, il distinguait la conversation. Madame Forestier l'appela. « Dites donc, monsieur Duroy !» Il courut vers elle. C'était pour lui recommander une amie qui donnait une fête et qui aurait bien voulu une citation dans les échos de la vie française. Il balbutiait. « Mais certainement, madame, certainement !» Madame de Marelle se trouvait maintenant tout près de lui. Il n'osait point se retourner pour s'en aller. Tout à coup, il se crut devenu fou. Elle avait dit à haute voix « Bonjour, belle amie, vous ne me reconnaissez donc plus ?» Il pivota sur ses talons avec rapidité. Elle se tenait debout devant lui, souriante, l'œil plein de gaieté et d'affection. Et elle lui tendait la main. Il la prit en tremblant, craignant encore quelques ruses et quelques perfidies. Elle ajouta avec sérénité « Que devenez-vous? On ne vous voit plus !» Il bégayait, sans parvenir à reprendre son sang-froid. « Mais j'ai eu beaucoup à faire, madame, beaucoup à faire. Monsieur Walter m'a confié un nouveau service qui me donne énormément d'occupation. » Elle répondit en le regardant toujours en face, sans qu'il pût découvrir dans son œil autre chose que de la bienveillance. « Je le sais, mais ce n'est pas une raison pour oublier vos amis. » Ils furent séparés par une grosse dame qui entrait, une grosse dame décolletée, aux bras rouges, aux joues rouges, vêtue et coiffée avec prétention, et marchant si lourdement qu'on sentait à la voir aller le poids et l'épaisseur de ses cuisses. Comme on paraissait la traiter avec beaucoup d'égard, Duroy demanda à Madame Forestier « Quelle est cette personne ?»« La vicomtesse de Percemur, celle qui signe Patte Blanche. » Il fut stupéfait et saisi par une envie de rire. « Patte Blanche ? Patte Blanche ? Moi qui voyais en pensée une jeune femme comme vous ?» Elle est bien bonne, bien bonne. » Un domestique apparut dans la porte et annonça « Madame est servie ». Le dîner fut banal et gai, un de ces dîners où l'on parle de tout sans rien dire. Duroy se trouvait entre la fille aînée du patron, la laide, Mademoiselle Rose, et Madame de Marelle. Ce dernier voisinage le gênait un peu, bien qu'elle eût l'air fort à l'aise et causa avec son esprit ordinaire. Il se trouva d'abord contraint, hésitant, comme un musicien qui a perdu le ton. Peu à peu, cependant, l'assurance lui revenait, et leurs yeux, se rencontrant sans cesse, s'interrogeaient, mêlaient leurs regards d'une façon intime, presque sensuelle, comme autrefois. Tout à coup, il crut sentir sous la table quelque chose effleurer son pied. Il avança doucement la jambe, et rencontra celle de sa voisine qui ne recula point à ce contact. Ils ne parlaient pas. En ce moment, tournaient tous deux vers leurs autres voisins. Duroy, le cœur battant, poussa un peu plus long son genou. Une pression légère lui répondit. Alors il comprit que leurs amours recommençaient. Que dirent-ils ensuite? Pas grand-chose, mais leurs lèvres frémissaient chaque fois qu'ils se regardaient. Le jeune homme, cependant, voulant être aimable pour la fille de son patron, lui adressait une phrase de temps en temps. Elle y répondait comme l'aurait fait sa mère, n'hésitant jamais sur ce qu'elle devait dire. À la droite de M. Walter, la vicomtesse de Percemur prenait des allures de princesse. Et Duroy, s'égayant à la regarder, demanda tout main à Madame de Marelle. « Est-ce que vous connaissez l'autre, celle qui signe Domino Rose ?» « Oui, parfaitement, la baronne de Livard. »« Est-elle du même cru ?»« Non, mais aussi drôle. Une grande, sèche, 60 ans. Frison faux, dents à l'anglaise, esprit de la restauration, toilette même époque. »« Où ont-ils déniché ces phénomènes de lettres ?»« Les épaves de la noblesse sont toujours recueillies par les bourgeois parvenus. »« Pas d'autre raison ?»« Aucune autre. » Puis une discussion politique commença entre le patron, les deux députés, Norbert de Varenne et Jacques Rival, et elle dura jusqu'au dessert. Quand on fut retourné dans le salon, Duroy s'approcha de nouveau de Madame de Marelle, et la regardant au fond des yeux, « Voulez-vous que je vous reconduise ce soir ?»« Non. » « Pourquoi ?»« Parce que Monsieur Laroche-Mathieu, qui est mon voisin, me laisse à ma porte chaque fois que je dîne ici. »« Quand vous verrai-je ? Venez déjeuner avec moi demain. » Et ils se séparèrent sans rien dire de plus. Duroy ne resta pas tard, trouvant monotone la soirée. Comme il descendait l'escalier, il rattrapa Norbert de Varenne qui venait aussi de partir. Le vieux poète lui prit le bras. N'ayant pas de rivalité à redouter dans le journal, leur collaboration étant essentiellement différente, il témoignait maintenant au jeune homme une bienveillance d'aïeul. « Eh bien, vous allez me reconduire à un bout de chemin, » dit-il. Duroy répondit « Avec joie, cher maître. » Et ils se mirent en route, en descendant le boulevard Malesherbes, à petits pas. Paris était presque désert cette nuit-là. Une nuit froide, une de ces nuits qu'on dirait plus vastes que les autres, où les étoiles sont plus hautes, où l'air semble apporter dans ses souffles glacés,
quelque chose venu de plus loin que les astres. Les deux hommes ne parlèrent point dans les premiers moments. Puis du roi, pour dire quelque chose, prononça. « Ce monsieur Laroche-Mathieu a l'air fort intelligent et fort instruit. » Le vieux poète murmura. « Vous trouvez ?» Le jeune homme, surpris, hésitait. « Mais oui, il passe d'ailleurs pour un des hommes les plus capables de la chambre. »« C'est possible. Dans le royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Tous ces gens-là, voyez-vous, sont des médiocres, parce qu'ils ont l'esprit entre deux murs, l'argent et la politique. Ce sont des cuistres, mon cher, avec qui il est impossible de parler de rien de ce que nous aimons. Leur intelligence est à fond de vase, ou plutôt à fond de dépotoir, comme la Seine à Asnières. Ah ! C'est qu'il est difficile de trouver un homme qui ait de l'espace dans la pensée, qui vous donne la sensation de ces grandes haleines du large qu'on respire sur les côtes de la mer. J'en ai connu quelques-uns, ils sont morts. » Norbert de Varenne parlait d'une voix claire, mais retenue, qui aurait sonné dans le silence de la nuit s'il avait laissé s'échapper. Il semblait surexcité et triste, d'une de ces tristesses qui tombent parfois sur les âmes et les rendent vibrantes comme la terre sous la gelée. Il reprit. Qu'importe d'ailleurs, un peu plus ou un peu de moins de génie, puisque tout doit finir. Et il se tut. Du roi, qui se sentait le cœur gai ce soir-là, dit en souriant. « Vous avez du noir aujourd'hui, cher maître. » Le poète répondit. « J'en ai toujours, mon enfant, et vous en aurez autant que moi dans quelques années. La vie est une côte. Tant qu'on monte, on regarde le sommet et on se sent heureux. » Mais lorsqu'on arrive en haut, on aperçoit tout d'un coup la descente et la fin qui est la mort. Ça va lentement quand on monte, mais ça va vite quand on descend. À votre âge, on est joyeux. On espère tant de choses qui n'arrivent jamais d'ailleurs. Au mien, on n'attend plus rien que la mort. Du roi se mit à rire. Bigre, vous me donnez froid dans le dos ? Norbert de Varenne reprit. Non, vous ne me comprenez pas aujourd'hui, mais vous vous rappellerez plus tard de ce que je vous dis en ce moment. Il arrive un jour, voyez-vous, où il arrive de bonne heure pour beaucoup, où c'est fini de rire. Comme on dit, parce que derrière tout ce qu'on regarde, c'est la mort qu'on aperçoit. Oh, vous ne comprenez même pas ces mots-là, vous, la mort. À votre âge, ça ne signifie rien. Au mien, il est terrible. Oui, on le comprend tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, ni à propos de quoi. Et alors, tout change d'aspect dans la vie. Moi, depuis 15 ans, je la sens qui me travaille comme si je portais en moi une bête rongeuse. Je l'ai senti peu à peu, mois par mois, heure par heure, me dégrader ainsi qu'une maison qui s'écroule. Elle m'a défiguré si complètement que je ne me reconnais pas. Je n'ai plus rien de moi l'homme radieux, frais et fort que j'étais à 30 ans. Je l'ai vu teindre en blanc mes cheveux noirs, et avec quelle lenteur savante et méchante. Elle m'a pris ma peau ferme, mes muscles, mes dents, tout mon corps de jadis, ne me laissant qu'une âme désespérée qu'elle enlèvera bientôt aussi. Oui, elle m'a émietté, la gueuse. Elle a accompli doucement et terriblement la longue destruction de mon être, seconde par seconde. Et maintenant, je me sens mourir en tout ce que je fais. Chaque pas m'approche d'elle, chaque mouvement, chaque souffle hâte son odieuse besogne. Respirer, dormir, boire, manger, travailler, rêver, tout ce que nous faisons, c'est mourir. Vivre, enfin, c'est mourir. Oh, vous saurez cela, si vous réfléchissez seulement un quart d'heure, vous la verriez. Qu'attendez-vous ? De l'amour ? Encore quelques baisers ? Et vous serez impuissant. Et puis après, de l'argent, pourquoi faire ? Pour payer des femmes ? Joli bonheur. Pour manger beaucoup, devenir obèse, et crier des nuits entières sous les morsures de la goutte ? Et puis encore, de la gloire ? À quoi cela sert-il quand on ne peut plus l'accueillir sous forme d'amour ? Et puis après ? Toujours la mort, pour finir. Moi maintenant, je la vois de si près que j'ai souvent envie d'étendre les bras pour la repousser. Elle couvre la terre et emplit l'espace. Je la découvre partout. Les petites bêtes écrasées sur les routes, les feuilles qui tombent, le poil blanc aperçu dans la barbe d'un ami me ravage le cœur et me crie « la voilà ». Elle me gâte tout ce que je fais, tout ce que je vois, ce que je mange et ce que je bois, tout ce que j'aime, les clairs de lune, les levers de soleil, la grande mer, les belles rivières et l'air des soirs d'été si doux à respirer. Il allait doucement, un peu essoufflé, rêvant tout haut, oubliant presque qu'on l'écoutait. Il reprit. Et jamais un être ne revient, jamais. On garde les moules des statues, les empreintes qui refont toujours des objets pareils, mais mon corps, mon visage, mes pensées, mes désirs ne reparaîtront jamais. Et pourtant, il naîtra des millions, des milliards d'êtres qui auront dans quelques centimètres carrés un nez, des yeux, un front, des joues et une bouche comme moi, et aussi une âme comme moi, sans que jamais je revienne, moi, sans que jamais même quelque chose de moi reconnaissable reparaisse dans ces créatures innombrables et différentes,
indéfiniment différente, bien que pareille à peu près. À quoi se rattacher ? Vers qui jeter des cris de détresse ? À quoi pouvons-nous croire ? Toutes les religions sont stupides avec leur morale puérile et leurs promesses égoïstes, monstrueusement bêtes. La mort seule est certaine. Il s'arrêta, pris du roi par les deux extrémités du col de son pardessus, et d'une voix lente, « Pensez à tout cela, jeune homme. Pensez-y. Pensez pendant des jours, des mois et des années, et vous verrez l'existence d'une autre façon. Essayez donc de vous dégager de tout ce qui vous enferme. Faites un effort surhumain de sortir vivant de votre corps, de vos intérêts, de vos pensées et de l'humanité tout entière, pour regarder ailleurs. Et vous comprendrez combien ont peu d'importance les querelles des romantiques et des naturalistes et la discussion du budget. » Il se remit à marcher d'un pas rapide. Mais aussi vous sentirez l'effroyable détresse des désespérés. Vous vous débattrez, éperdu, noyé dans les incertitudes. Vous crierez à l'aide de tous les côtés et personne ne vous répondra. Vous tendrez les bras, vous appellerez pour être secouru, aimé, consolé, sauvé et personne ne viendra. Pourquoi souffrons-nous ainsi ? C'est que nous étions nés sans doute pour vivre davantage selon la matière et moins selon l'esprit. Mais à force de penser, une disproportion s'est faite entre l'état de notre intelligence agrandie et les conditions immuables de notre vie. Regardez les gens médiocres. À moins de grands désastres tombant sur eux, ils se trouvent satisfaits sans souffrir du malheur commun. Les bêtes non plus ne le sentent pas. Il s'arrêta encore, réfléchit quelques secondes, puis d'un air las et résigné. « Moi, je suis un être perdu. Je n'ai ni père, ni mère, ni frère, ni sœur, ni femme, ni enfant, ni Dieu. » Il ajouta, après un silence, « Je n'ai que la rime. » Puis levant la tête vers le firmament où luisait la face pâle de la pleine lune, il déclama. « Et je cherche le mot de cet obscur problème, dans le ciel noir et vide où flotte un astre blême. » Ils arrivaient au pont de la Concorde. Ils le traversèrent en silence, puis ils longèrent le palais Bourbon. Norbert de Varenne se remit à parler. « Mariez-vous, mon ami. Vous ne savez pas ce que c'est de vivre seul à mon âge. La solitude, aujourd'hui, m'emplit d'une angoisse horrible. Mariez-vous, mon ami. Vous ne savez pas ce que c'est que de vivre seul à mon âge. La solitude, aujourd'hui, m'emplit d'une angoisse horrible. La solitude dans le logis, auprès du feu, le soir. Il me semble alors que je suis seul sur la terre, affreusement seul, mais entouré de dangers vagues, de choses inconnues et terribles. Et la cloison qui me sépare de mon voisin que je ne connais pas m'éloigne de lui autant que des étoiles aperçues par ma fenêtre. Une sorte de fièvre m'envahit, une fièvre de douleur et de crainte, et le silence des murs m'épouvante. Il est si profond et si triste le silence de la chambre où l'on vit seul. Ce n'est pas seulement un silence autour du corps, mais un silence autour de l'âme. Et quand un meuble craque, on tressaille jusqu'au cœur, car aucun bruit n'est attendu dans ce morne logis. Il se tut encore une fois, puis ajouta. « Quand on est vieux, ce serait bon tout de même des enfants. » Ils étaient arrivés vers le milieu de la rue de Bourgogne. Le poète s'arrêta devant une haute maison, sonna, serra la main de Duroy et lui dit. « Oubliez tout ce rabâchage de vieux, jeune homme, et vivez selon votre âge. Adieu. » Et il disparut dans le corridor noir. Duroy se remit en route, le cœur serré. Il lui semblait qu'on venait de lui montrer quelques trous pleins d'ossements, un trou inévitable où il lui faudrait tomber un jour. Il murmura « Bigre, ça ne doit pas être gai chez lui. Je ne voudrais pas un fauteuil de balcon pour assister au défilé de ses idées, non d'un chien. » Mais s'étant arrêté pour laisser passer une femme parfumée qui descendait de voiture et rentrait chez elle, il aspira d'un grand souffle avide la senteur de verveine et d'iris envolée dans l'air. Ses poumons et son cœur palpitèrent brusquement d'espérance et de joie. Et le souvenir de Madame de Marelle qu'il reverrait le lendemain l'envahit des pieds à la tête. Tout lui souriait, la vie l'accueillait avec tendresse. Comme c'était bon la réalisation des espérances. Il s'endormit dans l'ivresse et se leva de bonne heure pour faire un tour à pied dans l'avenue du Bois de Boulogne avant d'aller à son rendez-vous. Le vent ayant changé, le temps s'était adouci pendant la nuit et il faisait une tiédeur et un soleil d'avril. Tous les habitués du bois étaient sortis ce matin-là, cédant à l'appel du ciel clair et doux. Duroy marchait lentement, buvant l'air léger, savoureux comme une friandise de printemps. Il passa l'arc de triomphe de l'étoile et s'engagea dans la grande avenue, du côté opposé aux cavaliers. Il les regardait, trottant ou galopant, hommes et femmes, les riches du monde, et c'est à peine s'il les enviait maintenant. Il les connaissait presque tous de nom, savait le chiffre de leur fortune et l'histoire secrète de leur vie, ses fonctions ayant fait de lui une sorte d'almanach des célébrités et des scandales parisiens.
Les Amazones passaient, minces et moulées dans le drap sombre de leur taille, avec ce quelque chose de hautain et d'inabordable qu'ont beaucoup de femmes à cheval. Et du roi s'amusait à réciter à mi-voix, comme on récite des litanies dans une église, les noms, titres et qualités des amants qu'elles avaient eux ou qu'on leur prêtait. Et quelquefois même, au lieu de dire « baron de Tranquelet, prince de la tour Enguerrand », il murmurait « côté Lesbos, Louis Michaud du Vaudeville, Rose Marquetin de l'Opéra ». Ce jeu l'amusait beaucoup, comme s'il eût constaté sous les sévères apparences l'éternelle et profonde infamie de l'homme, et que cela lui réjouit, excité, consolé. Puis il prononça tout haut « t'as d'hypocrite » et chercha de l'œil les cavaliers sur qui couraient les plus grosses histoires. Il en vit beaucoup soupçonnés de tricher au jeu, pour qui les cercles, en tout cas, étaient la grande ressource, la seule ressource, ressource suspecte à coup sûr. D'autres, fort célèbres, vivaient uniquement des rentes de leurs femmes, c'était connu. D'autres, des rentes de leurs maîtresses, on l'affirmait. Beaucoup avaient payé leurs dettes, acte honorable, sans qu'on eût jamais deviné d'où leur était venu l'argent nécessaire, mystère bien louche. Il vit des hommes de finance dont l'immense fortune avait un vol pour origine, et qu'on recevait partout, dans les plus nobles maisons. Puis des hommes si respectés que les petits bourgeois se découvraient sur leur passage, mais dont les tripotages effrontés, dans les grandes entreprises nationales, n'étaient un mystère pour aucun de ceux qui savaient les dessous du monde. Tous avaient l'air hautain, la lèvre fière, l'œil insolent, ceux à favoris et ceux à moustache. Il vit des hommes de finance dont l'immense fortune avait un vol pour origine, et qu'on recevait partout, dans les plus nobles maisons. Puis des hommes si respectés que les petits bourgeois se découvraient sur leur passage, mais dont les tripotages effrontés dans les grandes entreprises nationales n'étaient un mystère pour aucun de ceux qui savaient les dessous du monde. Tous avaient l'air hautain, la lèvre fière, l'œil insolent, ceux à favoris et ceux à moustache. Du roi riait toujours, répétant « c'est du propre, t'as de crapules, t'as d'escarpes ». Mais une voiture passa, découverte, basse et charmante, traînée au grand trot par deux minces chevaux blancs dont la crinière et la queue voltigeaient, et conduite par une petite jeune femme blonde, une courtisane connue qui avait deux grooms assis derrière elle. Du roi s'arrêta, avec une envie de saluer et d'applaudir cette parvenue de l'amour qui étalait avec audace dans cette promenade, et à cette heure des hypocrites aristocrates, le luxe crâne gagné sur ses draps. Il sentait peut-être vaguement qu'il y avait quelque chose de commun entre eux, un lien de nature, qu'ils étaient de même race, de même âme, et que son succès aurait des procédés audacieux de même ordre. Il revint plus doucement, le cœur chaud de satisfaction, et il arriva, un peu avant l'heure, à la porte de son ancienne maîtresse. Elle le reçut, les lèvres tendues, comme si aucune rupture n'avait eu lieu, et elle oublia même, pendant quelques instants, la sage prudence qu'elle opposait chez elle à leurs caresses. Puis elle lui dit, en baissant les bouts frisés de ses moustaches, « Tu ne sais pas l'ennui qui m'arrive, mon chéri ? J'espérais une bonne lune de miel, et voilà mon mari qui me tombe sur le dos pour 6 semaines. Il a pris congé. » Mais je ne veux pas rester 6 semaines sans te voir, surtout après notre petite brouille, et voilà comment j'ai arrangé les choses. Tu viendras me demander à dîner lundi, je lui ai déjà parlé de toi, je te présenterai. » Du roi hésitait, un peu perplexe, ne s'étant jamais trouvé encore en face d'un homme dont il possédait la femme. Il craignait que quelque chose le trahît, un peu de gêne, un regard, n'importe quoi. Il balbutiait. « Non, j'aime mieux ne pas faire la connaissance de ton mari. » Elle insista, fort étonnée, debout devant lui et ouvrant des yeux naïfs. « Mais pourquoi ?» « Quelle drôle de chose. Ça arrive tous les jours, ça. Je ne t'aurais pas cru Sinigo, par exemple. » Il fut blessé. « Eh bien, soit, je viendrai dîner lundi. » Elle ajouta. « Pour que ce soit bien naturel, j'aurai les forestiers. Ça ne m'amuse pourtant pas de recevoir du monde chez moi. » Jusqu'au lundi, du roi ne pensa plus guère à cette entrevue. Mais voilà qu'en montant l'escalier de Madame de Marelle, il se sentit étrangement troublé. Non pas qu'il lui répugna de prendre la main de ce mari, de boire son vin et de manger son pain, mais il avait peur de quelque chose, sans savoir de quoi. On le fit entrer dans le salon, et il attendit, comme toujours. Puis la porte de la chambre s'ouvrit, et il aperçut un grand homme à barbe blanche, décoré, grave et correct, qui vint à lui avec une politesse minutieuse. « Ma femme m'a souvent parlé de vous, monsieur, et je suis charmé de faire votre connaissance. » Du roi s'avança en tâchant de donner à sa physionomie un air de cordialité expressive, et il serra avec une énergie exagérée la main tendue de son hôte. Puis s'étant assis, il ne trouva rien à lui dire. Monsieur de Marelle remit un morceau de bois au feu et demanda « Voici longtemps que vous vous occupez de journalisme ?» Du roi répondit « Depuis quelques mois seulement. »« Ah, vous avez marché vite ?»« Oui, assez vite. » Et il se mit à parler au hasard, sans trop songer à ce qu'il disait, débitant toutes les banalités en usage entre gens qui ne se connaissent point.
Il se rassurait maintenant et commençait à trouver la situation fort amusante. Il regardait la figure sérieuse et respectable de Monsieur de Marelle avec une envie de rire sur les lèvres et pensant « Toi, je te fais cocu, mon vieux, je te fais cocu !» Et une satisfaction intime, vicieuse, le pénétrait. Une joie de voleur qui a réussi et qu'on ne soupçonne pas. Une joie fourbe, délicieuse. Il avait envie, tout à coup, d'être l'ami de cet homme, de gagner sa confiance, de lui faire raconter les choses secrètes de sa vie. Madame de Marelle entra brusquement, et les ayant couverts d'un coup d'œil souriant et impénétrable, elle alla vers du roi qui n'osa point, devant le mari, lui baiser la main, ainsi qu'il le faisait toujours. Elle était tranquille et gaie comme une personne habituée à tout, qui trouvait cette rencontre naturelle et simple, en sa rouerie native et franche. Lorine apparut et vint, plus sagement que de coutume, tendre son front à Georges, la présence de son père l'intimidant. Sa mère lui dit « Eh bien, tu ne l'appelles plus belle amie aujourd'hui ?» Et l'enfant rougit, comme si on venait de commettre une grosse indiscrétion, de révéler une chose qu'on ne devait pas dire, de dévoiler un secret intime et un peu coupable de son cœur. Quand les forestiers arrivèrent, on fut effrayé de l'état de Charles. Il avait maigri et pâli affreusement en une semaine et il toussait sans cesse. Il annonça d'ailleurs qu'il partait pour Cannes le jeudi suivant sur l'ordre formel du médecin. Ils se retirèrent de bonne heure et du roi dit en hochant la tête « Je crois qu'il file un bien mauvais coton. Il ne fera pas de vieux os. » Madame de Marelle affirma avec sérénité « Oh, il est perdu. » En voilà un qui avait eu de la chance de trouver une femme comme la sienne. Du roi demanda « Elle l'aide beaucoup ? » C'est-à-dire qu'elle fait tout. Elle est au courant de tout, elle connaît tout le monde sans avoir l'air de voir personne. Elle obtient ce qu'elle veut, comme elle veut et quand elle veut. Elle est fine, adroite et intrigante comme aucune celle-là. En voilà un trésor pour un homme qui veut parvenir. Georges reprit. Elle se remariera bien vite sans doute. Madame de Marelle répondit. Oui, je ne serais même pas étonné qu'elle eût en vue quelqu'un, un député. À moins qu'il ne veuille pas, car il y aurait peut-être de gros obstacles, moraux. Enfin voilà, je ne sais rien. Monsieur de Marelle grommela avec une lente impatience. « Tu laisses toujours soupçonner un tas de choses que je n'aime pas. Ne nous mêlons jamais des affaires des autres. Notre conscience nous suffit à gouverner. Ce devrait être une règle pour tout le monde. » Du roi se retira, le cœur troublé et l'esprit plein de vagues combinaisons. Il alla le lendemain faire une visite aux forestiers et il les trouva terminant leur bagage. Charles, étendu sur un canapé, exagérait la fatigue de sa respiration et répétait « Il y a un mois que je devrais être parti. » Puis il fit à Duroy une série de recommandations pour le journal, bien que tout fût réglé et convenu avec M. Walter. Quand Georges s'en alla, il serra énergiquement les mains de son camarade. « Eh bien, mon vieux, à bientôt !» Mais comme Madame Forestier le reconduisait jusqu'à la porte, il lui dit vivement « Vous n'avez pas oublié notre pacte ? Nous sommes des amis et des alliés, n'est-ce pas ? Donc si vous avez besoin de moi, en quoi que ce soit, n'hésitez point. Une dépêche ou une lettre et j'obéirai. » Elle murmura « Merci, je n'oublierai pas. » Et son œil lui dit « Merci, d'une façon plus profonde et plus douce. » Comme du roi descendait l'escalier, il rencontra, montant à Palan, Monsieur de Vaudrec, qu'une fois déjà il avait vu chez elle. Le comte semblait triste, de ce départ peut-être. Voulant se montrer homme du monde, le journaliste le salua avec empressement. L'autre rendit avec courtoisie, mais d'une manière un peu fière. Le ménage forestier partit le jeudi soir.